Bah voilà, on a encore bien travaillé aujourd'hui. Donc voilà, je suis. Donc comme vous avez vu, donc là j'ai déjà des serres là-bas. Hop. Et puis là, donc je suis en train d'en monter une autre. Il y en aura sûrement une autre encore grande par la suite. Mais voilà, en voilà une autre. Voilà, pour l'instant on a monté que l'armature. Et j'ai tendu des filins, de la ficelle bleue. Parce qu'en fait, ce que je voudrais faire après, par la suite, c'est peut-être l'isoler avec du papier bulle. Donc, pour garder un petit peu la chaleur. Donc, je ne sais pas si je le ferai ou pas. Mais en tout cas, je la prépare au cas où. Parce que c'est plus facile de le faire avant qu'une fois la toile montée. Donc, voilà, j'ai tendu des ficelles bleues tous les, oh, je sais pas, à peu près. 30 cm peut-être, je sais pas. Oh non, peut-être pas. Oh si, ça fait peut-être allez, 25. On va couper la poire en deux. Je pense qu'il doit y avoir 1 mètre. Ouais, ça fait peut-être 25. Tous les 25 cm à peu près, j'ai tendu une ficelle. Donc je l'ai très très bien tendue, ce qui me permettra de glisser entre la toile et puis la bâche que j'ai en temps normal, en fait, le papier bulle. Voilà, je bafouille. Donc demain, s'il fait beau, donc on continue. On fera les tranchées, voilà, histoire de bien maintenir. Et puis voilà, je mettrai quelques sardines. Mais enfin bon, je vous ferai voir avec un peu de grillage pour tenir le bas. Enfin, système des merdes. Histoire que ça tienne un petit peu mieux qu'avec les tranchées en plus, quoi. Voilà. Donc voilà, bah c'est tout pour ce soir. On verra plus tard pour les plantations. Voilà, c'est déjà pas mal. Moi, je vais me rentrer. Il est 7h30. Donc voilà, maintenant, on va manger. Je vais faire manger ma nénette. Parce que malheureusement, je n'ai pas que ça à faire. C'est vrai que je n'ai pas que le jardin à faire. J'ai ma fille qui me demande aussi pas mal de temps. Donc j'essaye de voilà, préparer à manger. Je vais faire le ménage, le linge et être dans le jardin. Donc je fais pas mal d'horaires de façon à pouvoir arriver à tout faire. Parce que là, bon, c'est aussi quelque part une passion. Hein, donc bon là, forcément, monter une serre, c'est pas forcément. Voilà. C'est pas vraiment une passion. Mais c'est surtout que je vois la suite. Celle-ci, elle me servira surtout pour faire mes semis. À l'abri, parce que bon, pour l'instant, je l'ai fait dans ma salle à manger, donc c'est pas terrible, hein, donc on salit tout avec la terre et autres. Hein. Donc là, ça me permettra de mettre. J'ai une vieille table ici que je vais mettre sûrement dans le fond, calée soit dans un sens, soit dans un autre, je sais pas encore comment je vais faire. Et puis après, je vais faire des systèmes d'étagères. Soit je les achèterai, je prendrai les trucs les moins chers possibles, puis petit à petit je les achèterai. Je sais pas, sur en récup, j'ai pas grand chose, donc s'il faut que j'achète le bois, de toute façon ça me coûtera aussi cher. Donc il y a des fois, vaut mieux acheter des trucs vraiment à pas cher. Je sais pas, je vais voir, c'est à réfléchir. Enfin, pour l'instant, il y aura la table, une chaise, histoire de faire des semis. Et j'ai une petite serre qui est pour l'instant dans la grande serre là-bas que je veux libérer pour pouvoir commencer à planter dedans. Voilà, ramener tous les semis qui ne sont pas encore en pleine terre dans celle-ci pour pouvoir libérer l'autre. Parce que bon là, et puis bah, au sol, sur celle-ci, suivant ce que je mettrai, enfin, si je mets les étagères sur les côtés, peut-être que je garderai aussi un emplacement, soit au milieu ou je ne sais pas, à plusieurs endroits peut-être aussi, hein, pour planter. Donc si je plante aussi dans celle-ci au sol. Bien sûr, je ferai un travail du sol avant. Quand je dis travail du sol, je tendrai des cartons et puis je laisserai faire la nature par la suite. Donc je ne planterai pas cette année. Au pire, ce sera que l'année prochaine. J'attendrai que la terre se prépare toute seule. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous dis bonne soirée et puis bah, à bientôt!